soir, chez notre partenaire le Boxing Nazarien, on est invité pour promouvoir deux clubs, deux organisateurs, le Boxing Nazarien et le Angers Boxing Club. A tout de suite. Oui, bonjour, Patrick Bahmed Atlan, coach à Angers Boxing Club. Je viens présenter mon gala du 21 novembre 2015 à la salle Jean Brun, présenter la grande finale nationale de la Coupe de la Ligue entre Adjaoui Adel du team Herrero et Georges Horry du team Bahmed Atlan. Cette grande finale est pour Georges Horry une fin 2015 qu'il a fallu monter avec la mairie d'Angers. Ça m'a permis de créer des liens avec des sponsors, en l'occurrence Point P, et d'autres sponsors qui ont financé ce grand gala. Cette grande finale s'annonce bien. On vient de mettre les gants au club nazarien avec Charlie Quédor, de façon à finaliser un petit peu les mises de gants et puis aussi la préparation de Georges Horry. La dernière saison s'est terminée par une défaite de Georges Horry contre Bécu. Une défaite qui m'est restée en travers de la gorge, puisque au niveau des pointages, en 8 rounds de 3 minutes, le pointage des juges était de 77 à 75 chez Jérémy Bécu. Georges a fait un très très beau combat, était resté sur une victoire bien sûr à Angers au mois de mars. Et je pense qu'on prépare cette grande finale pour démontrer au public angevin que Georges a toute sa place dans la catégorie des professionnels et en l'occurrence de la catégorie des B et bientôt des A. La boxe en France, que j'en pense, aujourd'hui, elle essaye d'être un petit peu médiatisée par certaines chaînes. Hein, on en voit un petit peu plus à la télévision. En particulier la boxe professionnelle, moi, ayant qu'un seul professionnel, je ne peux pas trop en parler. J'ai Dominique Bernard qui est blessé actuellement. Je n'ai pas forcément une grosse écurie, mais ce que je peux dire, c'est que je vois de très très beaux combats lors des soirées, ne serait-ce qu'au Boxing Nazarien, à Montoire, à Laval. Dans toutes les villes où je vais, à Saint-Maur par exemple, j'ai vu de très très beaux combats pro. La boxe professionnelle n'est pas morte puisqu'il y a forcément des bénévoles qui sont là, qui sont derrière, qui travaillent dur. Et bien sûr des boxeurs qui travaillent dur pour justement faire le spectacle. Bonjour à tous, donc le Boxing Nazarien comme à l'habitude attaque la saison, une nouvelle saison avec un grand gala de boxe qui est organisé à la Soucoupe de Saint-Nazaire. Au programme 4 combats professionnels dont une grande finale du tournoi de France des super moyens avec bien sûr notre Nazarien David Papeau qui rencontrera Sandy Messaoud, que le public nazarien connaît aussi, et qui nous vient de pas très loin, de Saint-Avé. Voilà.
Donc bien sûr, comme je disais, 4 combats professionnels. Le deuxième combat qui nous intéresse beaucoup, c'est le combat du nouveau nazérien Charlie Cuador, qui vient de signer avec la team Caso depuis un mois. Donc il a un combat très important pour lui dans avec son nouveau club. Et un combat qui ne sera pas facile. Il rencontre un gars qui a plus de combats, plus d'expérience que lui, qui nous vient de Berck-sur-Mer et qui s'appelle Kevin Odiquet. Et le public nazarien le connaît. Il avait boxé contre Issa Morzaïev il y a 2 ans de cela. Et il était sorti qu'un match nul. Donc je connais l'adversité et ce sera un combat vaillant et ce sera sûrement un beau combat. Ensuite, le troisième combat professionnel, il nous vient de Issy Molino, de chez mon ami Bruno Wartel, Andrew Fonstilet, qui vient déjà 15 jours avant le gala pour mettre les gants, pour travailler avec David en mise de gants et travail tactique. Et donc il sera au programme, qui rencontrera Rudy Sibilo, qui nous vient de Doré, hein, que le public nazarien aussi connaît bien. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est on a la chance et l'heureux événement d'avoir Nordine Oubali qui a voulu faire son combat de la rentrée à Saint-Nazaire. Et ce sera un combat très important pour lui, c'est une préparation pour le championnat d'Europe qu'il souhaite disputer en début 2016. Donc il rencontrera un Hongrois qui a pratiquement le même palmarès que lui. Hein, il est invaincu, il a 4 combats, 4 victoires, dont 2 avant limite, 2 par KO. Donc ce sera sûrement un combat explosif. Et voilà, et Nordine, il fera le maximum pour faire plaisir au public nazarien. Bien sûr, 4 combats professionnels et 8 combats amateurs avec bien sûr l'équipe nazarienne qui a été, je vous rappelle, élue meilleur club de France en 2015. Donc les boxeurs qui ont participé à ce trophée, comme Olivier Vautrin et Sonny Habib, ils seront présents à ce gala de boxe. Une école de phrase, boum, 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 boum. Ah, tu l'es pas, tu vois, tu l'as bien. Hop, fais travail de bouche. Ouais, je suis très content du sparring avec Charlie, une bonne préparation, c'est toujours un plaisir de boxer ici au boxing nazérien. On met les gants sous moi avec Charlie, hein, même quand il était à Montoire. C'est un bon sparring, on apprend beaucoup, on est obligé de bien lever ses mains. Bonne préparation pour le 21 novembre. Le 21 novembre, il y aura aussi des combats amateurs, dont un combat féminin avec Émilie Beaujard. 10 combats amateurs avec toute l'école d'Angers Boxing Club. Je remercie quand même tous les bénévoles aussi, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Je remercie tous les bénévoles qui vont œuvrer pour ce gala. Et bien sûr, la mairie d'Angers qui fait vraiment pour notre club. Je voudrais juste signaler que la gratuité pour les femmes pour ce gala, comme d'habitude, pour tous les galas en juin, et puis la gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés, c'est très important. En tous les cas, venez nombreux le 21 novembre, vous ne serez pas déçus. À bientôt, au revoir.
Je vous remercie de suivre la boxe et de communiquer aux gens qu'il se passe des grands événements dans la région. Et voilà, c'est fini pour notre émission Boxing Mag TV ici à Saint-Nazaire. Surtout, n'oubliez pas les deux dates, le 30 octobre à Saint-Nazaire avec des très beaux combats professionnels et le 21 novembre à Angers avec Angers Boxing Club. Au revoir.